qu'on est là, moi venir jodi an là, faut me dire non à l'entreprise que nous parler avec riverain dans zone là pour faire de l'eau ça yo. Effectivement à l'entreprise nous fait des rencontres. Nous en pour parler, etc. Nous directeur général Mérian, ok, jusqu'à présent, toutes les démarches que nous faisons étaient vaines et infructueuses. Pour nous, nous-mêmes nous faisons, nous tentons action dans le tribunal première instance de la Croix des Bouquets. Pour ça, nous-mêmes nous pouvons prendre la décision qui s'impose. Décision qui s'impose, là, pour nous prêts pour aller jusqu'au bout. Pour nous aller pour nous faire mettre de façon pour nous vivre conseil avec le DG, le directeur général de la mairie de Tabar. Il avait trouvé un modus operandi, avec vous qu'on a obligé de nous ouvrir de ça aujourd'hui. Nous venons compromis. Le compromis, ça n'est pas le plus loin que par exemple en deux ou trois semaines pour nous venir en entente sur l'affaire de ça, provisoire. Le passé d'Elma, où est Delma, il est très stable, il est très joli. Vous pensez que dans la zone ça, effectivement, DG, DG, directeur général mérite de Tabar, il y a volonté. Même penser que c'est responsable Glossayo qui a une volonté pour ta résoudre le problème ça. Imaginez l'on tellement passé là, tu as un adoquin là, adoquin. Comprenez? Même penser que dans le jour là, si papa a une entente, nous même nous pouvons aller jusqu'au bout. Nous avons une action en justice et nous avons fermé le droit catégoriquement. Okay, pas qu'il y ait une décision qui prend. Peut-être que monsieur a parlé, comme moi, par exemple, monsieur a parlé selon lui-même. Mais monsieur, ça n'a pas aucune capacité pour le faire, mais aucun bloc. Parce que l'eau, c'est souffle de vie. Et il y a une situation, côté que pas de travail, pas de rien, chaque monde a créé propre opportunité pour vivre. Et peut-être que nous avons plus ça qui a fonctionné depuis bon bout de temps. Même après 6, 12 janvier, c'est plus ça qui alimente toute porte presse net dans le service avec l'eau. Et je dis là, il y a un problème dans la route là, on allait dans la mairie pour nous dire, ils mettent un blé dans la route là, ils remplissent, il pas de passage. Nous n'avons pas de matériel pour permettre que nous les vêtions. À chaque fois que la pluie tombe, la ville remplit avec la boue, ça permet que de l'eau rentre la caïmoune. Et pas aucune opportunité. Là, nous remplissons ça nous-mêmes, l'eau rentre la caïmoune, nous plus. Et nous demandé pour nous, nous payons des taxes. Nous payons la mairie, nous payons des GI, nous payons tout ensemble des taxes, l'État recommande pour nous payer. Et nous faisons ça comme ça doit. Nous allons demander pour mettre le matériel à disposition de façon à ce qu'on capable de traiter ça là. Il n'y a pas de jambes. Nous sommes rentrés là, nous venons mettre scellé. Pas aucun côté, dans aucun pays qui a fonctionné là, qui ça a un monde de faire, nous payons des taxes avec l'État. Aucun monde n'a pas prendre une décision pour faire un business pour nous. Pendant la paye l'État taxe. Et c'est ça, monsieur, ça lui-même lui fait. Il vient là avec Simo, Itmo et puis quelques agents de la mairie, il dit lui faire un business. C'était ça. C'était vendredi. Et c'était très tôt. Il y a une assez grande expérience de milieu économique là, et c'est ça qui te permet, nous, depuis l'entrée de l'ouverture, en juillet 1993, nous avons pris la décision que nous avons ouvert le réseau national, nous avons ouvert le CAF. Effectivement, nous avons fait ouverture sur tout ça, on voit en lui. Et nous songeons, nous avons dit personnellement là à l'époque, et que Henri Christophe Tenien ou habitation de Tunisie qui est dans un quartier mauvais. Et nous te disons, c'est ça qui souvient une banque au cap Tunisie. Quel effort, quel dieu et bas nos services. Et nous pensons que nous réussissons. Nous pensons que nous réussissons avec le concours de la population du Cap et du Nord. Et banque la ville réussit par les services. Et c'est par une banque qui prime à niveau ça. Banque qui prime à bien 550 000 comptes de dépôt. Nous presque deux fois plus déposant que banque numéro 2. Et nous avons un microcrédit. Et avec un microcrédit national qui est présent ici, nous fait crédit à tout le monde des entrepreneurs, micro-entrepreneurs, petits entrepreneurs. Nous avons un transfert qui est présent ici, au CAF également. Cap travail pour justement et remettre les transferts qui sont dans le bord de l'eau pour habitants et au Cap et dans le monde. Depuis que nous ouvrons notre lac, il y a 25 ans, 20 ans au Cap, 25 ans en Haïti, nous avons dit que la philosophie nous a axé sur bon service. Et c'est pour ça que le slogan de la place, c'est faisons route ensemble.
c'est même pour nous parler en faire route là ensemble. Et c'est souvent ça que nous essayons de traduire dans le service que nous avons. Et avec souvent ça que nous voulons continuer, même si nous-mêmes nous parlons en plein temps, comme mon conseil a bien les plus jeunes, dans mon conseil. Mais nous voulons entrer dans la fête de 51 minutes pour continuer à même qualité de service là, pour que tout le monde a dit c'est même côté pour aller en faire route là ensemble. Donc, et je tenais vraiment à vous remercier d'être venu pour que ce message qu'on fait à la population et capoise soit bien entendu. Le faisons route ensemble de la Unibank, c'est une philosophie, c'est une approche et aux affaires. C'est comme ça qu'on voit les choses et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça a été payant pour nous dans le sens qu'il y a 1 million de personnes qui sont nos clients en Haïti maintenant, 116 000 au Cap et dans le Nord, c'est beaucoup de gens. Et ensuite, on est en train de fêter le réseau national, le lancement du réseau national, parce que l'un des nouvelles succursales en février 1998, c'est l'ancien de lancer le réseau national. Je vous dis à nous présents dans 16 villes pays d'Haïti. Et d'en continuer au bon des services. Et dans le cadre, dans le Nord, plus particulièrement, je me dis non, on va en mettre l'imbé et 4 succursales au Cap, et d'en pouvoir ouvrir l'autre côté dans le Nord pour continuer à faire le même service que d'habitude. C'est lancement officiel, génie interscolaire municipal de Carrefour. Ça fait quand même 19 mois depuis que nous avons travaillé avec Jeunesse Carrefour, un ensemble d'associations, son ensemble de projets éducatifs, tout ça. Et je dis, c'est avec Portail du Savoir que nous lançons officiellement la 5e édition Génie Interscolaire. Mais c'est la première édition Génie Interscolaire Municipal. Nous sommes obligés de municipaliser parce que nous pensons qu'il y a une initiative que Jeunes Savoir a fait depuis 4 ans. De mériter la reconnaissance officielle de la ville, ça fait Anessa, mairie de Carrefour, eh bien, organisé avec Portail du Savoir, eh bien, Génie Scolaire Municipal, côté que il y a 20 équipes qui ont participé, 16 équipes qui ont participé, nous avons sélectionné par rapport à toute l'école Carrefour. Donc, nous avons fait un événement qui a duré 3 ou 4 mois. Ça veut dire pour nous que Carrefour, c'est une ville qui a bougé. Carrefour, c'est une ville, une véritable bastion culturelle, une bastion intellectuelle, et que fait ça, sous un ça, nous pas vraiment voulu reconnaître Carrefour. Donc, lorsque des personnalités aussi importantes, un ministre, une directrice générale, deux personnes, déjà après-midi, pour venir participer avec nous au lancement d'une initiative aussi importante, donc c'est déjà une reconnaissance de ce qu'il faut représenter dans le domaine ça, dans le pays. Encore une fois, merci ministre, merci DG, merci à Portail du Savoir et nous entendre réaliser un événement. Nous vraiment remercier tout le monde qui fait le déplacement ça et nous voulons dire que, ville là, Anessa, son année, deux projets, deux grands projets, tout. Nous commençons Côte Plage 26 avec MTPTC, avec le gouvernement, nous allons continuer Paloma. Nous avons 10 000 mètres carrés de trottoirs et 10 000 mètres linéaires de caniveau que nous allons faire Carrefour. Avec le programme et président Jovenel, maintenant passe avec la commune de Bétain, c'est caniveau trottoir contre le vêtement pour l'asphalte. Donc, notre travail pour la changer. Nous recevons Camille Naroma Sifadra, nous accompagnons les jeunes. Voilà, c'est de manière extraordinaire. En tout cas, merci. Toujours demander à mon Carrefour pour payer les taxes, pour une initiative qui a pérennisé, pour capable de donner l'autre Carrefour. Mairie Carrefour, avec Portail du Savoir, tracé un bel exemple, non seulement pour l'autre Carrefour, mais pour l'autre pays, tout, pour l'autre jeunesse. Nous, tout dans le pays, chaque jour, nous plaignons, moi-même personnellement, nous dénonçons une jeunesse qui est déboussolée, une jeunesse qui n'a pas de modèle, une jeunesse qui livre l'école, dans un plaisir malsain, loisir malsain, l'anti-sourit. Nous dénonçons, mais je dis à la, nous avons une initiative pour des solutions. Initiative pour Portail du Savoir avec mairie de Carrefour, avec la personne de magistrat, bon, heureusement, son professeur et tout, parce que nous avons 17 ans de début de professeur. Vous comprenez, éducation, ce n'est pas à faire un seul monde, ce n'est pas à faire un ministère lié, c'est à faire tout le monde. Et je dis à, si nous voulons rêver dans notre pays, il faut que nous rêvions dans notre éducation, il faut que nous rêvions tout dans notre jeunesse. Dans notre jeunesse, pas de qui ça? Il faut que nous encadrions la jeunesse. Je dis à c'est un génie interscolaire municipal qui lance la ville de Carrefour. Je pense que dans le pays, ça, si nous voulons vraiment changement pour les jeunes, bon encadrement, il faut que tout le monde arrive à mettre énergie ou synergie
pour nous capables d'aider les jeunes. Et je dis à l'âme, ce deal d'aller là, si, à travers tout le pays, mettez de côté question politique, question appartenance, question classe, nous disons tous les Haïtiens, on nous bataille pour l'autre Haïti, si tout le côté dans le pays, nous avons des magistrats, tant que magistrat Jude Edouard Pierre, avec l'organisation, tant que portail du savoir, tout le du savoir ensemble pour une nouvelle orientation de la jeunesse haïtienne. Donc c'est ça, nous-mêmes, nous sommes jeunes, nous gagnons des potentiels, grâce à Dieu, nous estimons que entourage nous, jeunes, nous va gagner des encadrements. Nous-mêmes, nous mettons tête nous ensemble, nous sommes dans divers horizons, nous gagnons plusieurs compétences en mi-temps, nous décidons nous-mêmes d'encadrer les jeunes, offrir aux jeunes et les ministres de là, une ambiance qui saine. Comprendre? Donc c'est dans la perspective ça, que nous-mêmes nous venons avec l'initiative ça, que nous avons fait depuis 4 ans déjà. Année ça là, c'est 4e édition nous. Quatrième édition, nous faisons avec la mairie de Carrefour et ça fait les baptiser Génie interscolaire municipal de Carrefour. Merci. Moi-même, je suis toujours content de voir que bon le bon dans le pays. C'est-à-dire que nous critiquons en pile. Bon qui a fait et qui sourit qui fait et bon des guettes mais nous pas encourager l'autre bon qui était dans l'éducation la formation jeune et parce que moi-même Jean chaque fois que moi vois des gens d'activité ça vont toujours prendre présent et ça fait jeudi à moi là et parce que sur des initiatives que groupe jeune ça aucun cas faut choisir et sur des initiatives que mairie a décidé d'accompagner même faire avec tout cœur et ceci et chaque fois que j'ai chance de participer dans une activité ça c'est un service que moi paye et parce que tout monde ça tout son service à prendre pays leur choisi à l'école de mettre connaissance en tête et nous aider des pays il y a des jeunes qui gagnent pile la tête parce que nous besoin ça pour nous faire nation ça. Alors vous même Jean Roosevelt et nous sommes capables de dire que nous sommes monde qui réussit dans la société à l'école pour bon mais parce que on dit discipline, formation académique, mais ça qui permet que m'écrire des textes qui vont profondeur, qui permet que nous fassions un bagage universel, que n'importe qui monde dans le pays qui apprenne des bails à la donne, dans le monde entier bien entendu, qui apprenne quelques bails à la donne. Moi-même, moi, c'est médaillé dans des jeux de la francophonie. Ça, c'est pas une mince affaire. Parce que l'école que je suis allé, rien que musique, l'international, l'hypotable, l'idée des messages forts, et que je pense que quelque soit ça, on voulait entreprendre dans la vie, que ce soit musique, ou théâtre, peinture, et n'importe quoi on voulait faire. Et l'école pour beaucoup là-dedans. Et ma papa j'ai toute jeune, continue à l'école. Et ma papa si jamais là, je tourner l'école encore. Parce que actuellement, dans l'université, qu'est-ce qu'il y a, je m'a étudié droit. C'est-à-dire que je ne pas lâcher l'école là, on m'a. Donc je pense que c'est à ça que tu as supposé pour tout jeune, soit qui peut aller avec réticent, retourner. À l'école, là, on a vu le résultat tôt ou tard. C'est vrai que un peu mon ami dit que pour pas qu'elle n'a pas l'école et que pour que j'aime jouer nos côtés pour appliquer vraiment. Même parce que si on ne peut comprendre, l'école là, il y a un travail qui fait dans la tête, l'intelligence, dans le dynamisme, dans le leadership. Donc je pense que continuer à l'école, c'est encourager tous les jeunes haïtiens à l'école, rendre tête nos services ça et rendre pays.
estamos rindiendo homenaje al comandante Hugo Chávez en su quinto aniversario de su fallecimiento. Côté que nous profiter pour nous être capable de faire activité ça en hommage avec 5e anniversaire de mon commandant Hugo Chávez. Igualmente en Venezuela se están dando inicio en el día de hoy a una serie de eventos en conmemoración también a la al fallecimiento de Hugo Chávez. Ces mêmes gens tout au Venezuela en moment ça et à commémorer 5e anniversaire de mon commandant Hugo Chávez. Han invitado a todos los países de Petro Caribe y de América tout a participar país, en este evento. Tout pays qui vient pour avec Petro Caribe yo invité pour capable participer dans activité ça. Recordemos que uno de los países preferidos del comandante Chávez era Haití. No pas oublier que un pays préféré comandante Hugo Chávez c'était Haïti. Y igualmente el presidente Nicolás Maduro. Y de même tout pour comandante Nicolás Maduro. Recordando la revolución venezolana. Côté que nous avons rappelé de la revolución bolivariana. Cumpliendo un homenaje al comandante Chávez. Y nous avons fait un hommage au comandante Hugo Chávez. Es una fecha que en todos los países del mundo tenemos embajada. C'est une date côté que tout pays, dans tout pays côté que nous avons ambassade nous. Igualmente se conmemora. Et yo même tout yo fait commémoration ça. Hoy me acompañó en la misa y en la aquí en la plaza Hugo Chávez, el embajador de Cuba. Et sous place là même il y a un ambassadeur cubain qui accompagné. L'alcaldesa de Tabar. Y a Mires Tabarlan qui accompagné. Autoridades del gobierno. Autorité gouvernement qui accompagné. Amigos estudiantes graduados en Venezuela, haitianos. Y en Zamino, estudiantes en Boursier que graduó en Venezuela. Personal de Petro Caribe. Y mi personal de Petro Caribe en Haití. Y e invitados en general para que vinieran a la misa y hacer este pequeño homenaje al comandante Hugo. Cabale. Ok. Port-au-Prince 5 mars 2018. Jodi a ou amse Edoa, nou ap denonse ou Fatma kap touche 3% sou salè travaye yo epi patron yo peye 6% epi pa gen oken mezi ki pran pou satisfè bezwen travaye ouvriye yo. Nan ka sa, se Edoa ou am mande ak travaye yo an atendan ou Fatma pran mezi pou satisfè nou. Ou bien pour le ranger système ni an, nous mandons que pour travailler ouvrier ou pas cotiser dans ou Fatma. PRNCTS, plateforme résistance nationale contre la pauvreté et sous le développement. Prend plaisir pour lire le voile bien haut. Pour dit président Jovenel Moïse, félicitations. Bravo pour répondre à la promesse qui t'a fait dans la campagne pour toi. Caravane changement avancé à vitesse. Dans la province nous, belle route à tailler banda. Paysans nous qui t'es désespéré pour voter la vie pour nous. Contentement dans tout le il y a chanté oh, que la vie est belle. Vive Jovenel Moïse. Dans un an seulement, gardez ça ou réaliser. Ça prend pas rien, Chayla Deye. L'ex-président Michel Martelly te fait un bon travail dans ce pays. Nous reconnaissons ça. Maintenant, c'est président Jovenel Moïse qui continue à tailler banda pour développer Haïti. Après 200 ans, c'est qu'on y a à tort, nous sommes Haïti sous le développement. Tout le monde, nous sommes qui content, nous sommes qui jaloux, ouais, sur le développement levé sous le pays d'Haïti. Mettez nez avec vous pour travailler une plus facile pour nous. Nous constatons, parce qu'il n'y a pas de meilleur. Yo prend pour yo ak famille yo
zafè mizè pep la. Nou fè 22 mwa nan batay. Telefon yo toujou ouvri. Naprele pou travay la bien fèt. Kounye a prezidan, ou elu, nou di bon Dieu mersi. Prezidan, tout moun sa yo ki tap travay avèk nou yo, an de dan pouvoi. Yo pa pran telefon anpon. Yo mette yo bon bout boa nan zorey yo. Yo ferme pot la avèk kle. Yo la gen avèk popilasyon nou te fè vote ou la. Prezidan, se te volonté avèk determinasyon ki te anime nou. Pa gen yo bout yo nan men nou. Nou travay anpil pou ka rive nan tèt peyi ya. E yo konè chok nou resevwa nan batay sa. PRNCPS fè konferans de pres sa. Pou mete ou an kouran, ni premye dam nan, Martine Moïse, avokat fòm yo, nou mande prezidan Jovenel Moïse, premye dam nan, Martine Moïse, avokat nou, pou yo pou fè pot la pou nou. Prezidan, nou redi trop pou mete pouvoi sa akampe. Pa ki te negre egoisyon yo lage madichon nan pouvoi. Nou fin travay, se pa chwal ki pou galone selman.